départ du film, pour Neil, c'est tous ces documentaires qu'il a fait autour de ces 2 ans qu'il a passé à Necker, et tout, avec les enfants, les familles, Oui. sur je sais plus quelle maladie, et tout ça. Et puis beaucoup de documentaires qui traitent de l'exclusion, en fait, et ça part surtout de là. Après, bon, il a connaissance de cet exploit. Et en fait, il Et a fait du puis bien. voilà, Ouais. Voilà. Il y a Ouais. plusieurs Oui, il y a thèmes, plusieurs quoi. thèmes. Voilà, c'est la Oui. relation père-fils, c'est la relation amoureuse Oui. père-mère, C'est ça. c'est la responsabilité, C'est ça. c'est l'adolescence, c'est l'émancipation, c'est plein de choses. C'est beaucoup de choses, oui. Et puis c'est comment on se retrouve. Grâce à C'est ça. quoi? Oui, là en l'occurrence, grâce à une action commune, quoi, Oui. grâce à un projet commun, un objectif commun. Exactement. Parce que c'est. J'étais comme des millions de gens, après tout, loin de ça, ne sachant pas comment faire avec ça, comment regarder ça, comment grande confusion, le handicap mental, le moteur, tout ça, quelqu'un qui avait des problèmes pour parler, je me disais il est débile mental, enfin voilà, des idées Oui, totalement, des a priori, par manque de connaissances, donc une distance, et sans doute aussi des maladresses, des idées idiotes, et puis d'un coup ce film, et puis la relation avec Fabien, et puis la simplification, la légèreté, du coup, que ça m'a apporté de connaître, quoi. De se rendre compte que l'exclusion, finalement, quelle qu'elle soit, prend toujours sa racine dans la méconnaissance, dans l'inconnu, qui génère la peur et tout. C'est tellement agréable de s'en rendre compte, mais je remercierai jamais assez Oui. ce film d'exister, et Nils de m'avoir engagé pour. Rien que pour ça, quoi, de me sentir un peu moins idiot après qu'avant. Et voilà, ça c'est chouette. Oui, j'ai du sport dans le sang, quand même un peu, Voilà. ouais. Donc comment vous êtes préparé, parce qu'on sait bien que c'est vous qui nagez avec le canoë, moi Ouais, c'est Michel Thomas. il m'avait Donc prévu des doublures et tout ça, mais oui, même des vélos avec assistance électrique et tout, Ouais. mais Le j'avais pas envie. ressentir. Ouais, j'avais pas envie, Ouais. j'avais envie de. Voilà. Et ne pas avoir d'intermédiaire entre moi et mes jambes, entre moi et. Comment vous êtes préparé? Ça va être lourd normalement. Déjà, j'ai demandé. Enfin, ils m'ont donné un coach ici à Paris, un mec un athlète qui a fait plusieurs fois l'Ironman, ça, et qui est prof de aussi natation et tout, et enfin, qui entraîne des athlètes. Donc j'étais en piscine là dans le 12e, je sais plus comment ça s'appelle cette piscine, ouais, j'ai fait je sais pas combien de séances de crawl et tout, enfin, parce que j'aime nager, j'aime l'eau, je suis né au bord de la mer et tout, mais je voulais un crawl qui soit un peu plus efficace. J'étais un peu déficient en crawl, et puis en plus ça tombait bien parce que c'est un nage que j'avais envie d'apprendre, de progresser depuis un moment. Je m'y essayais tous les étés, mais là, avec un prof, ça changeait tout. Et cette sensation de glisse, ça, c'est un truc que j'ai aimé et qui me manque par moments, maintenant. C'est drôle, des fois. Ah oui, ça me manque. L'autre jour, j'étais dans une piscine je retrouvais ce Le glisse, moment-là, ouais, de glisse. en apesanteur. Hein, c'est Ouais, ça? cet allongement du corps et. C'est marrant comme c'est devenu une sensation indispensable. Bon, voilà, grâce à ce film. C'est quelqu'un qui aime bien les sensations. C'est pas quelqu'un qui est super branché sur le sport, Fabien. Il a fait un peu de danse, il a fait du foot fauteuil à un moment donné, il disait ça, mais enfin voilà, c'est pas un acharné, il a pas fait des choix d'activité D'accord. très sportives dans sa vie, j'ai l'impression, d'adolescent. Au lycée ou quoi, ça je pense pas. En revanche, j'ai bien vu l'autre jour quand on est allé au Festival des Arcs, et puis il a skié pour la première fois sur Oui. ces appareils là, avec un moniteur
Il aime les sensations, quoi. Il est friand de ça, c'est pas un peureux. Donc adrénaline. Il aime ça, ouais. Et ça lui plaît. Ouais. Et là, il y en a eu aussi, parce que, évidemment, particulièrement en vélo, c'est bon. Ouais, ça a dû être terrible, Ça, c'est juste quand même des choses qu'on a faites très très dangereuses. On a pris beaucoup de risques. C'était très excitant et à la fois très angoissant. D'ailleurs, assez bouleversant a posteriori. ouais. Enfin, moi Moi, j'étais. je vois, on voit votre visage dans le film, dans les descentes à vélo. On sent la concentration. C'est-à-dire qu'on sent un rôle que vous ne jouez pas. Parce Ah ouais, là on sent vraiment c'est. vous êtes concentré. Ah Ouais, c'est pas un film, quoi. Il ouais. faut faire gaffe, quoi. Ah On est là. ouais, non, c'est Ça dingue. se sent, moi, j'ai vraiment Ah ressenti. ouais, et c'est à chaque fois arrivé en bas, fin de la prise, que je me rendais compte de ce qu'on venait de faire. Je me disais, mais comment on a fait ça? Pourquoi j'ai pris. Voilà, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, on dit action, on dit, ah, mais. Et quand le film s'est terminé, je vous assure, on a pété une bouteille de champagne et moi j'étais, waouh, je craquais quoi. C'est certain que quand Nils m'a proposé le scénario, j'ai pensé à mon père en effet. J'ai pensé que j'avais rencontré cet homme-là sur les terrains de sport plus qu'au quotidien, dans son salon, dans notre salon. Pourtant il était là tous les soirs, mais que. Sa présence dans les crosses et les pieds dans la boue et à m'encourager dans les chemins creux. Et finalement, oui, sans doute, là aussi, sans beaucoup de mots, sans même des mots du tout, le fait qu'il soit juste là, dans des endroits où il n'y a quand même pas beaucoup de public, je suis minime, cadet, était un témoignage d'amour que j'ai pas toujours retrouvé ailleurs, en fait. C'est un moteur incroyable, en fait, cet enfant qui est un adolescent au moment du film, il a 18 ans, il est un peu rebelle, et c'est le moment exact où il dit je. Il dit je veux faire ça, et c'est maintenant, c'est pas plus tard, et c'est avec toi, mon père, que je veux le faire. Toi qui as été pourtant pas tellement présent dans ma vie toutes ces années. C'est ça que je veux, quoi. Et il le dit de façon tellement irréductible que on peut pas rester dans le refus, quoi. Il y a un moment, stop, quoi. Ils sont amenés à dire oui. Et c'est en fait cette décision, c'est cette volonté qu'il a, qui entraîne tout le monde dans son sillage et qui fait que le couple se retrouve, qui fait que la relation avec son père se retrouve, etc. Ça ne recouvre certainement pas toutes ces années où il était sans doute un peu absent, ça ne recouvre pas le passé, ça ne recouvre pas peut-être cette culpabilité qui doit affleurer certainement sur sa peau assez souvent, mais il y a une tentative. Et puis il y a une réussite là, à cet endroit-là, à ce moment-là. On Et sent qu'on peut. puis voilà, les choses se reconstruisent. On parle souvent, bien sûr, de comment un enfant, les parents éduquent un enfant, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et tout ça. Mais on parle moins des surprises que l'enfant apporte et comment il éduque ses parents aussi à Au autre chose. sillage. Il ouvre des portes qui sont immenses des fois et qu'on n'a pas vu venir. Et que si on met pas un peu des brèches dans les principes d'éducation qu'on peut avoir pour accueillir ces ouvertures et ces surprises, Un peu comme la mère au départ qui était très fermée, oui, ennuyée, et voilà, puis au c'est fur et à cuit, mesure quoi. elle vient Ben avec un oui. projet, quoi. Ah oui, bah oui, ça ébranle tout l'édifice, ça ébranle voilà, ce sur quoi ils s'étaient enfermés tous, ça ébranle la structure. Et ça c'est très beau pour moi, c'est le sujet principal du film vraiment. Et ça, bon, qu'il soit handicapé ou pas d'ailleurs, cette crise d'adolescence, elle existe chez tout le monde, les couples dont le désir
Ces vapeurs, ça existe partout. Enfin bon, le temps. Mais C'était quel est ça? l'enjeu, hein, l'enjeu, il est Ouais. pas, il est loin d'être seulement sportif, hein, l'enjeu du Oui. film. Il est d'être sur cette petite ligne de crête Ouais. où rien ne dépasse et où l'ordinaire de la vie finit par devenir lumineuse et pour les gens qui regardent ça, quoi, c'est avec très peu de choses, très peu de signes, Oui. une grande pudeur, une grande réserve. Oui, c'est ça. Rien de. C'est Ok. assez fortiche, hein. C'est assez fortiche ça. Et vous avez donc tourné en épreuve réelle? Le premier jour, ouais, le premier Le jour premier de jour, le départ? tournage, C'était le jour du départ? voilà. C'était le D'accord. jour de l'Ironman et on Ça a a dû être fou, tourné, ça. c'était fou. C'était fou. Ça a dû On a être tourné le fou. départ, l'entrée dans l'eau, la sortie de l'eau, Ah ouais. des plans Épreuve et à dans vélo? l'eau. Ah ouais, ça c'est une des plus belles émotions de ma vie, ça. Le départ là. Quand j'ai vu ça, j'étais bouleversé, quoi. J'étais, ah, je me dis, mais attends, il y a 9 caméras, il y a 190 mecs qui travaillent partout, il y a des caméras sur l'eau, sur terre, sur mer, c'est pas le moment Ouais, faut pas défaillir. c'est pas une défaillance, c'est juste que c'était moi qui étais ému, c'est pas le personnage, quoi, je veux dire. Oui. Mais c'était la beauté qui me Ouais, touchait, la ouais. beauté de ce moment, l'incroyable. C'est fou. C'est très, très, très fort. Très, très fort. Et on ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs, à part que c'est très très beau à voir, Parce que mais si, parce que il y a c'est une concentration d'énergie, et puis des mêmes valeurs, c'est encore on a ça, des c'est mêmes ça, valeurs qui réunissent tout le c'est monde. ça. Et puis la difficulté de l'épreuve, l'angoisse, l'appréhension, Tout ça, tout se mélange. l'inconnu, L'air ouais, est c'est peuplé, fou. parsemé de tout ça, de toutes ces sensations-là qui doivent transpirer de tous ces gens. Et puis quand ça explose, c'est comme une foule comme ça qui s'éparpille et d'un coup c'est des individus, c'est des solitudes. D'un seul coup c'est le silence, c'est la fête, on est tous ensemble, on va faire ça tous ensemble, ok, on est ensemble et pouf, on est tout seul. Et là, on est vraiment seul. Et dans le silence, et là on est vraiment seul dans l'effort. Et là, pouf, ça y a quand même peu de choses qui racontent ça et qui offrent des tels moments de vibration, quoi. Ah, c'était extraordinaire de vivre ça. Moi, je connaissais pas tellement Iron Man, j'ai pas beaucoup entendu parler de ça. Non, non, c'est un film très très populaire. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que en fait c'est d'abord parce qu'il a échappé à tous les pièges, bien sûr, du pathos, de l'apitoiement et tout ça. Mais aussi parce que c'est organique. Ce qu'on reçoit du film, ça passe pas par la tête, c'est tout de suite sur la peau qu'on le ressent. C'est direct, quoi. Qu'est-ce que vous leur Ah bah, d'aller voir le film, ça c'est Ah, sûr. voilà. Mais ben non, parce que alors là, tout le monde le dit, ça donne envie de faire, ça donne envie de. Ça fait rêver, ça donne envie de se rendre compte que on est responsable de nos petites vies, quoi. C'est à nous, c'est pas. Alors voilà, ok, on a des fois plus de chance, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, tout ça, mais enfin bon, voilà, on peut pas mettre tout sous la coupole de la chance on a des responsabilités, c'est les nôtres. On a du pouvoir sur nos vies, quoi. On a des rêves, on peut aussi tout mettre en œuvre pour les réaliser. Et tout, c'est tout, quoi. Faut un peu de courage, sûrement. Mais pour moi, c'est ça qui raconte le film. Et en plus, quand ça vient de la parole de quelqu'un qui est dans une situation de handicap, c'est une parole démultipliée, du coup. Et moi, j'aime bien ça. Moi, je trouve que ça. Quand je pense la vie comme ça, qu'on est responsable, que c'est pas toujours la faute à pas de chance ou la faute à je sais pas qui ou à je sais pas quoi. Quand on voit les choses complètement autrement et que les épreuves que la vie même nous fait subir,
Si on les prend non pas comme quelque chose qui vous tombe dessus et qu'on n'a pas voulu, ça c'est cuit. On est évidemment knockdown direct. Mais si on se dit, bah, tiens, c'est des épreuves qui sont pour. C'est des barrières, faut apprendre à les sauter, c'est pas facile. Ben, on en a tous, à plein de niveaux, hein, des barrières à sauter tout le temps, quoi, des Mais tous les épreuves jours tout quand le on... temps, tous les jours, dès qu'on se lève, on a des épreuves J'y à. arriverai pas, non, j'ai pas le temps, je suis Tout, fatiguée. tout, tout. Mais. C'est trop compliqué. Prendre ça en main parce que c'est à nous et à personne d'autre et que c'est à nous de faire avec et ben c'est pour moi c'est la seule façon de trouver l'équilibre, de trouver de la joie quoi finalement. Voilà, pour moi le film il raconte ça, on peut, voilà, on peut. C'est on peut. Une belle Moi je veux conclusion. croire qu'on peut. Oui. Parce que sinon alors je vais même pas me lever demain matin et je trouve ça dommage.